Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau live sur la chaîne Barbatrotnik, live numéro 32. Et euh, ce soir on va parler roues et pneus de micro-robots de combat. Et on va continuer en fait le live de la semaine précédente et aussi un peu de cette nuit. Mais j'y reviendrai déjà du monde sur le chat. Salut Kamikaze, salut Roger Shins, salut Default Route <laughs> qui était un peu de seul. A envoyé un petit tweet en disant Je suis seul. Euh, venez sur le chat. Salut, monsieur Mopis. 5002. D'accord. Euh... Jonathan du 02, salut, salut à tous, salut Rosalind, bref, objectif 5 heures de live, non, pas 5 heures de live. <laughs> Comme d'hab, euh, on va essayer de, de temporiser un petit peu, encore plus euh, ce soir. Enfin, on va, on va modifier un petit peu le, la cadence du live, mais, euh, mais voilà, choqué, déçu. Écoute, euh, on verra, on verra. Je, je, à chaque fois je dis ça, et puis tu sais très bien que des fois je, je fais des lives de, de 5 heures, ça m'est déjà déjà arrivé. Ce soir, on va parler roue et pneutune. Oui, salut Alex Ness. Nes. Écoute, euh, avec la technique que je, que je donne, potentiellement, qu'on peut faire des roues beaucoup plus grosses et euh, des pneus beaucoup plus grosses également. Faire de la jante euh, alu, dorée avec du néon, du machin, etc. Je ne. Voilà, euh, imaginez tout ce que vous voulez. <laughs> Moi, je donne des trucs pour les robots. Euh, Débrouillez-vous avec ça. Jackie time yes euh, salut Gabi Van de Top hello l'homme productif en confinement <laughs> pas si productif que ça en fait mais euh, bon euh... <laughs> écoute, si, si jamais tu as l'impression que je suis productif, je suis, je suis assez content de moi, <laughs> euh, alors, bah écoutez, euh, on va commencer, euh, bah on va commencer tout de suite, hein, euh, alors, euh, tuk -tuk -tuk, un petit peu le récap de la semaine, alors il s'est pas passé grand chose cette semaine par rapport aux autres semaines, bon, il y a quand même quelques petites infos euh, que je voulais, je voulais vous partager, alors, première info, euh, c'est plutôt de la pub euh, pour l'Electrolab. Euh, bon, bah écoutez, euh, les, les copains de l'Electrolab, du makerspace, de, hackerspace de l'Electrolab, qui font un, un, une cagnotte Litchi pour les, euh, les visières. Euh, J'avais dit que j'en parlerais. Euh, mais bah, écoutez, voilà, j'en parle euh, sur le live et je mets même le lien vers le Litchi si ça vous intéresse de les aider. Euh, ils ont fait une super, euh, un super, un euh, super, comment dire, fichier de visières euh, découpe laser que nous on utilise et euh, c'est vraiment euh, vraiment top, ça fonctionne vraiment bien et de manière générale ils sont euh, ils sont vraiment chouettes donc n'hésitez pas à les suivre aussi euh, Electrolab sur, euh, sur Twitter etc euh, ils font des trucs euh, vraiment vraiment super cool ouais cœur, salut Ellie euh, Ensuite, euh, ça c'était la première information. Deuxième information, je disais tout à l'heure que je vais continuer le travail que j'ai fait euh, la semaine dernière lors du dernier live, mais c'était pas si 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 vrai que ça, puisque si vous étiez sur le Discord et si vous étiez sur Twitter hier, vous savez, si vous me suivez un petit peu, vous savez que j'ai fait un live cette nuit à minuit 40. Voilà, je me suis lancé dans un live parce que j'attendais qu'une impression se, se termine. Je me suis dit, allez, on y va, euh, on lance un live. Et donc du coup, il y a un live qui est sorti cette nuit, euh, qui est ici. Euh, que vous pouvez euh, voir je, je vous donne le lien mais voilà, c'est le lien vers euh, ma chaîne euh, ma chaîne YouTube. Il y a le, la rediff qui est mise comme ça brute de décoffrage 1h36, boom dessus, c'est un petit live comme vous pouvez le voir à 1h36 par rapport à ce que je fais d'habitude. Et c'est un live dans lequel euh, j'ai appelé ça la nocturne parce que je savais pas trop ce que j'allais faire euh, mais euh, là en l'occurrence, je euh, vais j'ai montré un petit peu ce dont je vais parler euh, ce soir un petit peu en, euh, bah, en avance. Ensuite, euh, j'ai euh, également, euh, on a également un peu travaillé sur l'électronique du, euh, du robot de la Coupe de France de robotique. Alors cette année ou l'année prochaine, je ne sais pas, on verra. Si j'ai le temps de l'intégrer pour cette année, si c'est pas encore annulé cette année. Enfin, bref, euh, toutes les problématiques liées à ça, euh, on ne va pas revenir dessus. Euh, néanmoins, euh, voilà, si ça vous intéresse, euh, c'était assez rigolo. Euh, on, était, euh, on a été une vingtaine à, à faire le live. C'était euh, assez, assez chouette. Euh, donc euh, n'hésitez pas à passer, euh, regardez et puis euh, et puis voilà. Ensuite euh, ça c'était la, la deuxième info. Euh, troisième info aussi, vous êtes toujours pas. Euh, y a-t-il euh, YouTube Alors non, je suis pas en live sur YouTube, c'est que du live Twitch depuis euh, depuis deux semaines là. Euh, et euh, je vais je vais garder le live Twitch uniquement. Euh, voilà, ça me va très bien. Euh, par contre euh, voilà YouTube, vous avez vous aurez toujours les rediff. Euh, deuxième info, je vous le remets ici, mais voilà, si vous voulez me suivre euh, et euh, poser des questions pendant euh, la semaine, discuter avec d'autres personnes, et aussi suivre les les before, parce qu'en fait en général, je lance live une demi-heure un petit peu avant euh, sur Discord. En fait, euh, je fais de la technique, je règle mes caméras, enfin des conneries quoi. Euh, mais euh, mais voilà, donc si jamais vous voulez passer, euh, c'est plutôt rigolo, euh, on peut parler d'autres choses comme ça et euh, et puis euh, échanger. J'ai pas fait encore d'after. <laughs> peut-être que je ferai un after, euh, notamment ce soir je vais avoir de l'editing de vidéo donc il est possible que je fasse euh, peut-être un after après, on verra bien. Pourquoi pas Voilà, donc n'hésitez pas à passer euh, sur le Discord. Salut Roxis. Euh, ensuite euh, petit remerciement euh, ben voilà euh, je bosse à la machinerie et on a fait un petit euh, une petite news euh, sur sur ce que je fais voilà histoire de partager donc voilà ça ça fait toujours plaisir euh, donc euh, merci à la machinerie pour ça et qui a partagé sur son sur son tweet sur ton sur, sur Twitter, sur le Twitter, donc si jamais vous voulez aller voir de quoi ça cause, mais bon, si vous êtes là, je suppose que vous savez un petit peu de quoi ça cause. Néanmoins, je vous remets le lien. Salut Romain. Euh, et puis voilà. Et puis voilà. Et donc maintenant, on va passer à ce qui nous intéresse euh, ce soir, c'est-à-dire le live sur les roues et les pneus. Alors. Dernière petite information, et après je vous laisse, c'est que euh, la semaine dernière, euh, en fait, euh, je vous avais dit que j'allais euh, trancher le live en plusieurs parties et donc euh, essayer d'avoir des lives de rediff euh, sur YouTube qui seraient un poil plus court. Euh, le problème, c'est qu'en fait, j'ai pas du tout réussi à le faire parce que j'avais pas de marqueur euh, net sur la coupure du live, donc ça faisait un peu... Euh, ça faisait vraiment cracra. Euh, donc du coup, ce coup-ci, je vais tenter un truc. Voilà, on verra si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. C'est, euh, ça fait mal de trancher les gens. <laughs> euh, c'est d'essayer de euh, couper un petit peu le live en, entre deux. Alors, je ne coupe pas le live physiquement. Je dis juste, euh, voilà, c'est fini pour la première partie du live. On se retrouve tout de suite pour la suite. Et voilà, ça va couper là et après on reprendra juste après. Donc c'est juste ça que ça fera. Donc, vous ne soyez pas étonnés si ça fait ça à un moment. Euh, dans tous les cas, je reste en live jusqu'à la fin. Et ça sera juste pour pouvoir faire l'editing derrière. Des pauses café. Oui, alors du coup, euh, je vous proposerai soit, euh, soit en fait, je remets euh, le démarrage du live euh, comme d'habitude pendant une minute, une coupure. Soit on redémarre, euh, on redémarre euh, directement euh, par la suite. J'ai euh, des gens qui m'ont proposé des choses, notamment, ah bah Roger Shin, voilà, qui a proposé un petit jingle entre les deux. Mais en fait, je pense que le plus simple pour faire du, du coupé monté avec euh, avec euh, mon éditeur de, de ah, mon éditeur de vidéo, c'est quand même de remettre le, la page de démarrage. Euh, voilà et puis de redémarrer hein. du coup euh, je pense que ça sera euh, ce sera nickel comme ça Salut euh, Alf euh, Bonsoir à toi et bon, euh, oui bonsoir Roger je, je, je t'avais déjà dit bonsoir Alf, euh, j'adore ton t-shirt Ah merci alors celui-là franchement <laughs> je l'ai ressorti du fin fond euh, du fond du, du, du tiroir j'avais euh, mis tous mes t-shirts euh, un peu euh, geekos euh, dans un coin euh, et ça faisait très longtemps que je les avais pas euh, ressortis euh, et du coup là je suis re retombé dessus j'ai fait ah, allez, je vais le ressortir celui-là quand même. Il est relativement classe. Donc voilà, ceux qui ne connaissent pas, c'est Barry Allen, et c'est quand même super cool. Il te faudra un autre du jour pour que tu puisses découper ta vidéo. Euh, oui, oui, oui. En fait, euh, ah, c'est un exercice. Voilà, je l'ai jamais vraiment fait. Euh, du coup. On va essayer comme ça, et puis si jamais je vois que euh, il faut que je me... comment dire, je, je maîtrise un peu de plus le truc, et ben en fait j'y réfléchirai un peu plus par la suite, et j'essaierai de couper ça un peu. Par contre, ce qui est très difficile, en fait, c'est toujours de se dire je me donne 30 minutes pour faire quelque chose, euh, 20 minutes pour faire un autre truc. Enfin voilà, généralement ça, ça marche pas. Et comme là je suis dans une progression où il faut que j'ai fini euh, la première partie pour passer à la seconde, ça va plutôt être au feeling, je pense. Et, euh, mais à voir, hein, euh, ça c'est vraiment avec l'expérience qu'on verra si, euh, si ça peut marcher différemment ou pas. C'est quoi ton éditeur vidéo Tu as quel éditeur Ah, vous êtes, euh, les, les grands esprits se rendent compte. Alors, euh, avant, j'étais sur... Euh, en fait, euh, avant, j'éditais sur Mac. Donc, euh, j'étais euh, sur euh, Final Cut Pro. Euh, maintenant que je suis passé sous Windows, euh, je suis passé sur DaVinci Resolve 16. Euh, J'ai pas encore fait beaucoup de montage vidéo avec. Euh, c'est très proche. En fait, c'est un... Je ne devrais pas dire ça parce que ceux qui font du montage vidéo vont me haïr, mais euh, d'un point de vue utilisateur, c'est euh, entre Final Cut et, euh, et, et Premiere. C'est-à-dire que tu sens que c'est un logiciel qui est euh, professionnel, tu peux aller très loin avec, tu sens quand même qu'ils ont voulu rendre ça relativement accessible, donc tu peux faire des trucs très très simples avec sans te prendre trop la tête. Euh, après, en termes de prise en main, euh, c'est marrant, des fois j'ai l'impression d'être devant un logiciel... <rire> Alors, <rire> je vais me faire défoncer J'ai l'impression d'être devant de un logiciel libre des fois, parce que franchement, tu regardes les, les menus, tu fais... Uh -huh. C'est pas du tout intuitif <laughs> comparé à d'autres logiciels que j'ai déjà utilisés. Mais bon, euh, franchement, ça se fait. Euh, le truc est ultra puissant il euh, y a des petits coups de main à prendre mais en gros si vous utilisez déjà euh, première ou final cut, honnêtement ça passe crème et euh, le truc que j'ai pas encore essayé mais que j'aimerais bien essayer euh, et ben en fait j'aimerais bien euh, comment euh, essayer de, de réouvrir un projet final cut parce qu'à priori tu peux réouvrir des fois des projets final cut ou des projets euh, premières directement avec, euh, avec DaVinci, donc ré réutiliser en fait ce que tu as déjà fait et donc pas le travail que tu as déjà réalisé avant. Et du coup, moi, je trouve ça juste ultra cool, quoi. Je veux dire, ultra classe de se dire que tu peux passer d'un logiciel à l'autre. Euh, alors, je sais pas, c'est un peu comme ouvrir un... Des fois, un docx avec, euh, un autre euh, open office, et puis inversement proportionnel et que du coup ça marche pas et que ça pète la mise en page. Est-ce que là ça va tout péter? J'en sais rien. J'ai jamais encore essayé, mais de toute façon je vais être obligé de le faire parce que j'ai envie de sortir une petite vidéo. Euh, serait-il possible d'avoir le nom sur Discord? Euh... ah, le nom du logiciel! Ah bon, euh, je peux même, euh, je peux même mettre la, la DaVinci Resolve. Je peux même envoyer le lien ici, tout simplement. Alors, l'avantage de DaVinci Resolve, et j'arrête là, euh, pour, euh, pour ça, hop, vous l'avez ici, ouais Je le mets sur le Discord aussi. Voilà. Euh. Qu'est-ce ah, que ça? Euh, désolé, j'ai bugué sur un, sur un truc. <laughs> euh, L'avantage d'Alinchi da Resolve, c'est qu'il est gratuit, euh, et ça, c'est quand même ultra classe. Et surtout, et alors là, euh, moi je dis merci, 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 merci beaucoup, euh, il est disponible euh, sur, euh, ben, sur Windows. Déjà. Il est disponible sous Mac, mais alors sous Mac il, il, enfin même sous Windows en fait, il, il arrache pas mal votre, votre PC quand même, il faut avoir une config pas trop dégueulasse. Et il est disponible sous Linux, voilà, et, euh, et donc du coup ça c'est quand même ça fait quand même très très plaisir. Et en fait c'est aussi pour ça que je l'ai choisi parce que euh, voilà, l'idée derrière euh, que, que j'ai moi c'est de passer à un moment sous, sous Linux euh, quand j'aurais trouvé une solution relativement stable pour faire de la CAO sous Linux. Mais c'est vraiment top quoi, avoir un logiciel comme ça de cette qualité là, honnêtement, je trouve ça bien. Après, quand tu as l'habitude de travailler sur des logiciels qui sont euh, que tu as payé, euh, notamment moi de Final Cut, je l'avais payé. Euh, tu il y a des fonctionnalités qui sont dans la version pro de DaVinci qui sont pas forcément utiles à, pour à un usage basique, mais quand tu l'as pas et que tu sais que ça existe, tu fais Hmm, c'est un peu dommage genre le multi écran la gestion du multi écran qui est pas si bien foutu que ça sur la version gratuite et, et tu sais que pour le réouvrir sur un moniteur c'est pareil c'est plutôt sur la version pro et que c'est mieux fait sur la version pro là tu fais merde là c'est un peu dommage surtout quand t'as trois écrans t'as quand même envie d'avoir un peu ça ça c'est un peu dommage mais sinon après top quoi euh, attends j'ai vu une nouvelle personne qui arrivait hey salut niodev euh, niodev bienvenue ici je crois que je, te... je ne t'ai jamais vu sur le sur le chat eh bien écoute bienvenue à toi Tant que tu as fusion 360, tu auras, tu auras du mal à passer sur une... Exa. Ah ouais, je sais, je sais. Euh, désolé, mais qu'est-ce que de la CAO Ah, la CAO, bah c'est... Alors, le logiciel de la CAO, c'est ta, ta fusion. Donc, la CAO, c'est la conception assistée par ordinateur. Voilà, euh, bah, voilà, conception assistée par ordinateur. J'ai un peu de retard sur le chat, euh, excusez-moi. Euh, salut Alex Oh, Alex, euh, bienvenue Alors, Alex, il pop de temps en temps. <laughs> il a popé cette nuit aussi sur mon live. C'était assez drôle. Regarde ton titre de live sur Twitch. Regarde ton titre de live sur Twitch. Ah, c'est la nocturne Ouais. J'ai laissé. Ah, je vais changer. Attendez. Merci, Alex. Ouais, j'avais pas changé ça euh, tout à l'heure. Ah, alors. <laughs> La nocturne. Yes, je le modifie tout de suite. Merci beaucoup. pneu Et. Non. Mais. Roues et pneus. Pour. Voilà, c'est modifié et c'est le live numéro 32. Ah, je l'ai modifié hier et du coup j'avais complètement j'avais complètement zappé. Eh, hey, ça n'a pas marché. Ah, ça va mettre un peu de temps à s'activer. C'est pas grave, désolé. Euh, <laughs> bien le bonjour euh, Mathp, bien le bonjour à toi Alex référent titre live. <laughs> Mais c'est pas toi qui m'a fait la réflexion cette nuit aussi. Du coup, euh, du coup tu fais quoi sur ta chaîne Ben écoute, je, je parle de Davinci Resolve <laughs> et je modifie des titres sur Twitch. <laughs> c'est magnifique. Euh, non, je, je fais de la robotique. Et, euh, et puis bon, on va commencer tout de suite. Merci Niodev euh, et ben en fait d'avoir fait ma transition. Et aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va faire On va travailler sur le micro robot de combat euh, qu'on avait déjà commencé euh, la semaine dernière dans le dernier live euh, et, euh, et puis bah en fait on va on va le continuer. Hein. Alors du coup la première chose que je vais faire c'est revenir sur le euh, le, le fusion euh, le modèle fusion le modèle CAO qu'on avait fait euh, la semaine dernière. Voilà notre petit robot de combat. Donc pour rappel euh, le principe de ce robot là c'est le même que celui euh, attention on a failli le perdre. <laughs> Euh, C'est le même que celui que j'ai fait en gros en 20 kg pour la Maker Fight, le même que celui que j'ai fait en euh, 600 grammes, euh, qui est là, on va en reparler, voilà qui est ici euh, pour euh, la, les joutes de robotique et euh, du coup je me suis dit autant repartir là-dessus l'idée de ce robot je vous le rappelle c'est de euh, de tester en fait les robots qu'on appelle antweight euh, en Grande-Bretagne et qui sont des robots euh, qui font environ 50, enfin, qui doivent faire moins de 150 grammes donc c'est des robots de combat de moins de 150 grammes je une musique tiens. Voilà. Euh, et, euh, et puis la semaine dernière, on s'était quand même bien débrouillé, on avait commencé à essayer, et on s'était rendu compte que c'était pas évident euh, 150 grammes, surtout que le châssis, on arrivait vite à 180-200 grammes euh, avec les tailles auxquelles on pensait. Donc on a réduit ça euh, et, euh, et c'était euh, euh, pas évident à, à voir. Euh, bah merci de me suivre, euh, NeoDev. Euh, merci, bienvenue à toi, du coup. NeoDev vous héberge maintenant. Euh, bah, écoute, euh, un grand merci à toi, un grand merci. Il semblerait que les transition de sujet entraînent une instabilité psychique, heureusement temporaire. <laughs> je, je, je switch les trucs. Euh, idem, titre bien mis à jour aussi. Euh, ça a été mis à jour chez vous Ça, chez moi, ça n'a pas été mis à jour. Ah, si, c'est bon. Ok, super. Ouf. Euh, non, l'appli l'appli Twitch est un peu un peu naze pour ça bon bref soit. Euh, c'est le moment de lancer sur d'autres su sujets non non surtout pas <laughs> ne ne digressons pas. Voilà. Euh, ne digressonne pas non plus. Ça c'est pour ceux qui ont la référence. Soit la semaine dernière on s'était arrêté. Je n'avais pas fait euh, les supports moteurs qui sont en rose. Je n'avais pas fait les supports de roues qui sont ici. Je n'avais pas fait non plus les fixations euh, de la plaque qui sont là. Donc euh, grosso modo je vais essayer de remonter dans mon assemblage pour vous montrer où est-ce que j'en étais. Euh, on oh, dit non, ça a bien bien évolué. Euh, et bien tout simplement je pense qu'on en était là. Non, pas du tout. Waouh. Là, non plus. Alors, voilà. On s'était quitté la semaine dernière. Euh, Là-dessus. Que pensez-vous des durabilités des tomates vertes qui deviennent rouges Ah, ça, c'est vraiment euh, très, 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 très... Euh, très, très grosse question. Comment faire durer un live 5 <laughs> ben, Demande à Kamikaze, il sait faire. C'est euh, -ce un fruit ou un légume Oh non, non, on pas censé là-dessus. Du coup, on s'était euh, arrêté là. Euh, et c'était... Euh, on avait déjà pas mal avancé. Euh, hey, merci, Gabriel Reis, bienvenue, euh, bienvenue à toi, ici, euh, dans l'antre du barbu. Euh, et du coup... Euh, on avait réussi à faire un proje un, une coque qui était vraiment très très petite. Le seul truc, c'est que entre maintenant et euh, la semaine dernière, il s'est passé quelque chose. C'est que je me souviens plus de combien on était parti, mais on était à 90 je crois euh, ici et euh, 100 là en termes de paramètres. Et du coup, j'ai dû agrandir un petit peu parce que quand j'ai mis le servomoteur, moteur, ça ne marchait plus. Alors qu'est-ce que j'ai fait Déjà, j'ai fait euh, des supports euh, sur les côtés qui vont me permettre de supporter mes roues. Voilà, qui sont là et euh, qui vont me permettre d'avoir rajouté un axe avec un euh, roulement. Euh, ensuite, euh, on va avancer un petit peu vite. Voilà, j'ai fait les supports de moteur. Bon, ça, je vous, c'est voilà, pas très très simple. C'est deux clips qui viennent se mettre sur le dessus. Expert du live 5h. Oh oui, expert du live 5h. Euh, ensuite, tout 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 Alors là, ce que j'avais fait, c'est j'ai un peu galéré. Euh, je leur ferai peut-être un jour en live ça, mais, euh, mais en gros, voilà, j'ai fait euh, des extractions sur les côtés, j'ai essayé de le faire le plus léger possible, ce qui m'a permis, en fait, de venir mettre des trous et de faire un léger débord ici pour me permettre de mettre la plaque du dessous. Euh, euh, chloroquine ou pain au chlore <laughs> C'est génial, ça euh, <laughs> euh, Qui va me permettre de mettre la plaque du dessous et de la visser avec des vis à plastique. Voilà... Euh, et puis on avance un petit peu. Et puis après, du coup, j'ai fait la sortie pour euh, pour le pour l'arme. Là, voilà. l'axe pour l'arme qui est ici. Donc j'ai pas fait un trou traversant parce que sinon j'aurais pas pu l'insérer dedans. Donc, je vais, là, ça me permettre de le serrer sur le côté avec deux écrous. Et puis après ma bah, les pièces pour le servomoteur, moteur. Et puis bah globalement, en fait, ça s'est terminé comme ça. Et je viens de me rendre compte d'un truc, c'est que là, ça. Ce n'est pas fait de l'autre côté. Donc on va le corriger tout de suite. Voilà, nickel. Euh, alors, vous êtes, vous êtes déjà parti très très loin. Euh... Sympa la timeline historique, ouais, euh, de conception. Alors ça, au début en fait, quand tu connais pas, euh, t'as vraiment du mal. Moi, je venais, euh, je venais de Katia et de SolidWorks. Du coup, j'avais tendance à travailler là-dedans et je comprenais pas trop comment ça marchait au début. Et euh, et au début, et pareil, l'historique au début, tu prends la tête avec. Mais quand tu sais bien l'utiliser, c'est un outil qui est très très puissant et c'est une autre. Euh, manière de penser en fait ta conception aussi pouvoir revenir dedans après c'est très casse-gueule honnêtement euh, si tu fais pas ça correctement peut vite avoir des conneries qui se passent mais je trouve que d'avoir séparé euh, la partie un peu assemblage objet ici et euh, historique de conception c'est pas mal et un truc qui change tout aussi euh, je l'ai activé là part défaut c'est le color cycling au début on ne l'avait pas euh, j'ai dit au début mais c'était en 2015 euh, donc au début je l'ai commencé à utiliser je pense qu'en 2015 j'en disais avait... j'ai un doute j'ai un doute j'ai un doute en tout cas je, je ne l'utilisais pas et en gros euh, ici les couleurs qui sont dans l'historique c'est les couleurs que tu retrouves là c'est difficilement lisible et en fait quand tu utilises ça tout de suite tu te dis bon bah voilà ça c'est ma pièce verte ok donc j'ai je... tous mes trucs qui correspondent à ma pièce verte sont ici et si j'active ma pièce verte ici je vais avoir l'historique de conception que de ma pièce verte c'est quand même pas mal c'est 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 un bon truc mais ça demande à. voilà. à, à, à se, se reformater un petit peu sur la manière de concevoir. Euh, Eagle, ça fonctionne. Eagle, ça fonctionne. Electronic design sous fusion, ça ne marche pas. Ils ont pas appelé ça Eagle. On est d'accord, Eagle, ça fonctionne toujours. Et tout est en conception plan aussi. Euh, oui aussi, oui, exactement. Euh, alors, euh, maintenant qu'on a ça, et bien en fait, ça je l'ai imprimé, et du coup, ben, on va aller le voir tout de suite à l'atelier. Alors, par contre, je vais vous bouger parce que je ne vous vois plus. Hop là! Alors, euh, celle d'Awa, ça on va l'enlever, on va revenir dessus après. Ça, c'était ma pièce précédente, donc j'ai déjà fait un petit essai d'assemblage euh je je l'ai fait cet après-midi oui euh, non je l'ai fait cet après-midi. Donc voilà donc ce petit euh, ce petit châssis vous avez vu hein, c'est vraiment tout tout petit, tout tout petit, imprimé en 3D, euh, euh, j'ai pas pu le peser, parce que ma balance, euh, c'est une grosse balance de cuisine, euh, en fait, analogique, et donc, du coup, peser au gramme près, c'est pas super fou, euh, donc, du coup, c'est un peu compliqué pour moi de le faire, néanmoins, euh, voici ce petit euh, châssis de robot, donc, le moteur fonctionne, euh, s'encastre très bien, donc, là, euh, de ce côté-là, aucun souci, c'est juste un petit peu, il est juste un peu, forcément très bien maintenu donc il faut juste que je euh, modifie euh, les euh, paramètres ici je rajoute un petit peu de matière là pour venir vraiment appuyer euh, le sur le sur le moteur euh, et, euh, et après tout euh, tout fonctionnera bien au niveau du servomoteur moteur bon là j'ai rien à dire euh, ça marche aussi très bien euh, bref euh, c'est plutôt cool ça s'est imprimé sans support euh, et c'était euh, enfin, voilà pour le coup euh, vraiment pas un, pas très compliqué à imprimer car là comme vous pouvez le remarquer euh, en comparaison de alors là je l'ai déjà démonté parce que j'ai dû récupérer le moteur mais en comparaison du premier de la première version euh... voilà ça c'est euh, 600 grammes euh, ça c'est 150 grammes donc c'est euh... Euh, vraiment euh, très très réduit et tout de suite il euh, bah, y, a, y a plein de problématiques qui se posent en fait avec ce genre de châssis, notamment euh, bah, les ESC comme ça, euh, bah, je peux plus les utiliser parce que bah, voilà si je mets l'ESC, euh, le récepteur, euh, ben euh, ça passe pas, euh, voilà j'ai plus de place pour passer ma plaque et puis bah, surtout les batteries, euh, bah voilà les batteries que j'ai euh, actuellement ça ne marchera pas. Donc j'ai recommandé euh, ou en tout cas j'ai trouvé euh, des références euh, J'en avais déjà parlé la dernière fois euh, de euh, de composants pour pouvoir faire ça et pour pouvoir l'intégrer dedans et avoir quelque chose de beaucoup plus léger et le plus épuré possible pour que ça fonctionne. Là maintenant ce qui nous reste à voir, euh, bah alors il y a l'arme, mais bon ça ça va pas être très très euh, compliqué à faire, mais surtout il y a les roues. Alors le principe que j'ai euh, eu envie de mettre en place sur ce robot, en fait c'est le même principe que ce que j'avais fait euh, ici euh, et, euh, et de et, et qui avait bien fonctionné et que je vais euh, reprendre. Donc tu comptes utiliser quoi euh, Je compte utiliser un dual ESC. Euh, alors je vais essayer de le retrouver euh, très rapidement. Euh, alors, bah en fait ça va être très simple. Attendez. Hein. Le temps que je me connecte. Non, non, non. kamikaze euh, non. Je vais aller sur, euh, bon, sur Aliexpress, mais vous pouvez le trouver. Enfin, c'est difficile à trouver euh, autre part. Euh, pour le... Eh Non. Pour le composant ESC, je vais utiliser ça. L'avantage, c'est que j'ai déjà le dual ESC qui est dedans et euh, le petit switch pour pouvoir euh, faire euh, du mixage ou, euh, ou pas directement dessus et euh, en récepteur euh, alors attendez récepteur euh, où est ma télécommande ah récepteur rc je vais, je vais essayer de le trouver comme ça sinon je le trouverai plus tard en fait ils font des micro récepteurs voilà c'est ça exactement euh, j'ai trouvé ce modèle là euh, mais euh, avec les pins qui ne sont pas soudés en fait. Donc ça va me faire gagner énormément de place euh, et du coup euh, j'aurai qu'à souder les fils en fait directement dessus. Donc euh, l'idée c'est vraiment d'alléger au maximum le. Bah, ah bah il est là. Ah, nickel. Euh, voilà c'est d'alléger au maximum euh, tout le tout le système et d'avoir le minimum de, de composants euh, dans le dans le robot. Euh, c'est sa faute. Il me pique mes lines. Il y a un objectif avec ce robot, un tournoi. Euh, oui, Matpi, a... alors il n'y a pas encore de tournoi. En fait, je suis en train de tester le concept. Alors, alors si je reviens au début, euh, il y a un tournoi qui était prévu pour celui-ci, mais qui en passe d'être annulé malheureusement, euh, vu le, en tout cas d'être décalé. Euh, et celui-ci, en fait, je le teste euh, avant de, de créer le tournoi. En fait. Ce que je veux savoir, c'est est-ce que c'est facile à faire et, euh, et dans quelle limite en fait on peut réussir à faire des robots de 150 grammes. Voilà, je vais le tester avant de lancer le tournoi avec mon Fab Lab, du coup. Euh... Depuis, oui, les jeux de robotique. Alors, les jeux de ro en fait, ça, ça sera les jeux de robotique aussi. C'est juste que ce sera deux classes de robots, quoi, en fait. L'idée, c'est vraiment de tester, quoi. Comme ce que j'ai fait avec celui-ci, en fait, celui-ci, je l'ai testé avant de, euh, de, comment dire, de, lancer, euh, de lancer le tournoi. Ah ouais, un nouveau tournoi, sympa ça. Bah euh, ouais, c'est dans la lignée des, euh, des, robo des robots de combat de la Maker Fight, en fait. Et du coup, euh, pour finir, euh, euh, alors, lipo 1S, en gros, je vais utiliser. Il euh, s'appelle le pharmastique, je crois. Non, je ne suis pas sûr. Je vais utiliser. Yes, c'est ça. J'ai eu ça qui était pas trop mal, je vais en utiliser deux, parce que j'ai besoin d'une batterie de 2S en fait, et donc du coup je vais utiliser des, des liposticks. Euh, L'avantage c'est que ça va me permettre de les mettre un peu où je veux dans mon robot, euh, et euh, et puis euh, voilà, de les de les placer comme je veux. 200 mAh c'est largement suffisant pour ce que je vais avoir à faire euh, en termes de match, j'en aurai plusieurs. Euh, L'idée, voilà, c'est d'utiliser ça, les plus petites que je puisse trouver, en fait il y en a des plus grandes, hein, 350 là, mais elles sont un peu, plus, un peu trop longues pour le robot. Euh, donc euh, voilà, l'idée c'est vraiment de gagner euh, le plus de, de place possible. C'est euh, vraiment pas. Euh, on est vraiment pas sur quelque chose de, de très très évident euh, au final, hein, pour le coup. Et comme BMS Eh hmm, BMS je, je sais pas ce que c'est le BMS. Il y a moyen que tu nous mettes les liens ESC batteries histoire qu'on ait une base de test aussi. Bah, dès que je les reçois et dès que je les ai testés, parce qu'en fait c'est ça aussi, il faut que je, je teste, voir si ça marche, parce que je peux pas vous donner des trucs qui ne fonctionnent pas, euh, je mettrai tout ça comme d'hab sur le site des Caribous, en fait, tout simplement. Voilà, voilà. Je reviens sur l'atelier. Euh, BMS, c'est les ESC. Ah, ok. Ah, bah, en fait, les esc euh, c'est ça. Hein euh... oh, ce que c'était euh... Ouais, c'est ça. C'est ce truc là en fait. C'est le en fait ça, ça fait l'ESC, c'est les deux ESC plus le mixeur. Et du coup, ça c'est plutôt cool. Voilà. Il euh, y en a de plusieurs euh, plusieurs valeurs. Là, euh, on est limité à 5.8, mais il on... y en a d'autres qui montent un peu plus haut. Euh, par contre, c'est marrant. Ils font 3.6 à 5.8 et ils disent que c'est compatible avec 2S. Ça, ça, je, je me marre énormément. quoi. Bon, du coup, il faudra vérifier tout ça, en fait. La ouais, euh, hein, hein, différence entre les versions. Ah, il dif... y a une version 1S et 2S. Ça c'est la version 1S. Ok, d'accord, ok, ça va. Ils sont pas trop. Euh... C'est pas trop nul. Eh, c'est rigolo ça. On peut pas savoir. Euh... Ah, on voit pas le composant. J'aimerais bien regarder un petit peu ce qu'ils ont foutu comme composant dessus. On peut faire du reverse engineering, ça serait rigolo pour savoir si on peut pas refaire la carte. Et refaire un truc euh, tout compris avec le, le récepteur aussi. Bref. Alors ça c'était euh, la, euh, la première étape. Deuxième chose, euh, je vois, sorry pour la question, je ne connaissais pas du tout. Ben, euh, mais je, je t'en prie, je t'en prie, il euh, n'y a, euh, a, a pas de question, bête. Euh, alors, maintenant on va parler un petit peu du, euh, du moulage euh, que j'ai fait, en fait. Euh, on en a parlé la semaine dernière il euh, y a une technique, euh, qui existe, euh, les seules questions bêtes sont celles qui ne sont pas posées exactement. il euh, y a une, il y a une technique de moulage qui existe que je voulais tester depuis très longtemps. C'est un moulage silicone où on prend du silicone traditionnel qu'on a dans des magasins de bricolage et on va les mélanger à euh, de l'eau savonneuse ou euh, d'autres trucs. En fait, ça dépend un petit peu de, euh, de, 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 de la technique et euh, ça va permettre de faire un moule en silicone. Et donc, du coup, j'avais déjà essayé, ça avait été déjà un, un foirage complet. Et là, je me suis dit, il n'y a pas, faut que je reste parce que je sais que ça fonctionne c'est juste que il faut que euh, que je trouve euh, un peu la, la technique tu as regardé le tuto d'Eliox pas du tout euh, je n'ai pas du tout regardé le, le tuto d'Eliox euh, j'ai revu le tuto d'un d'un gars qui fait des, euh, des roues pour robots que j'avais déjà vu il y a euh, une euh, il y a 5 6 ans en fait euh, et que je connaissais déjà et j'ai vu euh, j'ai revu en fait une doc d'un gars de la fab Academy qui l'avait fait euh, il y a quelques années euh, donc j'ai euh, pas pris le lien c'est un peu de mais je vais galérer à le retrouver. Je vous le retrouverai, je vous le mettrai sur le Discord si vous voulez. Euh, et, euh, et puis, du coup, je me suis relancé. Euh, et donc, du coup, j'ai utilisé euh, du silicone qui me restait chez moi. Et puis, un peu d'eau savonneuse. Alors, je dois avoir une vidéo euh, de ce que j'ai fait. Euh, pour vous montrer, vous expliquer un petit peu euh, comment ça fonctionne. Et la technique que j'ai utilisée, vous allez voir, c'est relativement simple. Yes. Voilà. Ah, super, la vidéo qui se met sur l'autre. Voilà. Donc, le concept, c'est que j'ai de l'eau, j'ai foutu <laughs> du savon. Alors, le, le, le truc que j'ai retenu de la vidéo, c'est qu'il fallait mettre euh, beaucoup de savon, en fait. Il euh, faut vraiment saturer l'eau euh, avec, euh, avec le savon. Euh, si on n'en met pas assez, en fait, le, le silicone, pour ceux qui ont déjà fait un petit peu de silicone, euh, des joints, en fait, ça, euh, ça fait... Euh, ouais, ça ça colle sur les mains, c'est pas... C'est pas ouf et du coup ça marche pas et en fait ce que j'ai compris c'est que le, le 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 savon en fait va agir comme un catalyseur avec le, le silicone je suis pas chimiste c'est un peu ce que le gars le gars disait en fait donc euh, voilà je vais prendre euh, ma cartouche de silicone qui était défoncée. Euh, voilà je vous dis c'est un vieux silicone qui traînait dans mon dans mon garage donc voilà je l'ai euh, j'ai coupé ce qui restait j'en ai mis un petit peu dedans hop donc euh, ça plonge dans l'eau direct. Et alors du coup, euh, là, vous voyez, je l'attaque directement euh, avec les mains. Euh, alors pour une raison très simple, c'est que euh, la personne que j'avais vu euh, réaliser ça euh, sur euh, sur euh, sur YouTube, le, av avait d'abord essayé avec des gants en silicone, enfin euh, des gants pas en silicone euh, en plastique quoi. Et euh, le souci c'est que en faisant ça avec des gants en plastique, euh, ça collait aux gants en plastique et euh, le résultat était complètement désastreux. Euh, et c'est aussi un peu le retour que j'avais quand j'avais fait mes essais euh, moi de mon côté. Et du coup, euh, ce qu'elle a fait c'est que euh, elle a essayé avec ses mains et ça fonctionnait très bien avec les mains et donc il y avait pas y avait pas de, de soucis de ce côté-là donc du coup moi je l'ai fait directement euh, avec euh, à main nue et en fait le principe c'est vraiment de mélanger euh, cette pâte alors au début ça colle un petit peu mais une fois que vous euh, vous incrustez bien en fait l'eau euh, savonneuse et que vous le mélangez vous faites une pâte comme ça voilà vous essayez de la, de la malaxer avec euh, le savon à l'intérieur en fait ça devient euh, ça devient un peu comme un genre de chewing gum voilà, c'est le truc que j'avais le, le plus euh, comme retour par rapport à à la texture en fait, et euh, du coup, j'ai fait un petit, euh, un petit moule euh, pour, le, pour le pneu, et après, euh, on passe de ça, de ça dedans, et, euh, et puis après, on attend que ça sèche, quoi. En fait, tout simplement, le truc euh, c'est que euh, je pensais que ça allait être beaucoup plus liquide que ça. Euh, et donc du coup, ça, ça va être un truc qu'il va falloir avoir en tête quand on va faire le, bah, le moule en fait du, du pneu, euh, parce que du coup, il est pas passé partout et vous allez voir sur la pièce finale que ça se voit à certains endroits. Euh, bref, du coup après je sers et puis après, bah, voilà, ça, ça reste à sécher et puis euh, et puis c'est tout quoi en fait. Vous avez fait votre moule en silicone, ça fonctionne très bien. Euh, bon, je pas j'ai fait. Une une petite boule avec ce qui est resté. Euh, <laughs> euh, du coup, euh, ça fonctionne ouais, très bien. Et, euh, et le résultat, le résultat, il est là. Savons un côté hydrophobe et un autre hydrophile, il y a moyen que le silicone ait des propriétés comme ça. Mmh, il faudrait que je regarde du coup ça aussi. J'avoue que je ne me suis pas trop attardé sur la question euh, technique euh, du, du truc, mais, euh, mais ça pourrait valoir le coup. Et donc voilà le moulage euh, de euh, du pneu. Alors pour faire ça, euh, déjà avant de, avant de lancer, j'ai fait un proto de, de moules euh, vraiment euh, très mal pensé. Il faut quand même que je le refasse, mais euh, l'idée c'était vraiment de tester le système. Alors déjà très mal pensé parce que euh, j'avais les mauvaises vis. Euh, je pensais avoir des vis de 70, et en fait il ne me restait plus que des vis de 90, et donc du coup, euh, hop voilà, pas filter sur ce côté-là, donc euh, j'avais des vieux roulements euh, rouillés de roller, je les ai mis dessus. Et euh, du coup l'idée c'est que voilà, ça vient euh, coulisser dessus pour venir faire une petite boîte et venir euh, presser en fait le moule. Le souci, en fait, que je me, dont je me suis rendu compte directement quand j'ai mis le, le silicone, c'est que... Euh, bah, en fait, le, le silicone ici, j'ai pas réussi à le mettre complètement au fond, en fait. Euh, du coup, ce qui se passe, c'est que vous voyez, euh, là, j'ai eu quelques petites imperfections. Euh, et, euh, et du coup, je l'ai que d'un côté. Voilà, de ce côté-là, euh, c'est nickel. Et par contre, du côté où il euh, n'y avait pas euh, cette partie-là, eh du coup. Ça n'a pas super bien marché. Donc, euh, donc il y a des choses à améliorer. Néanmoins, euh, néanmoins ça a marché. Euh, ça a même marché plutôt euh, bien, même mieux que ce que je pensais. Au final, ça ressemble à notre système de placage de la roue codeuse avec un ressort. Ah oui, tiens, c'est marrant, ça. Ça fait un peu euh, comme ça. <laughs> euh, ce qui a bien marché aussi, que j'avais, je, 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 je doutais un petit peu, c'était de, de, de presser dans ce sens-là. Euh, et pour faire ça, en fait, pour éviter d'en avoir plein euh, sur les côtés, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ces petites ouvertures qui sont ici. Voilà. Et qui m'ont permis en fait de euh, venir éjecter la matière sur le côté et de couper. Ce qui fait que quand je l'ai sorti, j'ai eu plus qu'à voilà ces petites euh, ces petites imperfections là sur la roue mais vu à quoi est destinée la roue eh ben, en fait c'est largement euh, satisfaisant pour moi euh, et euh, bon voilà le souci c'est que j'ai fait ça à l'arrache euh, parce que j'avais pas beaucoup de plastique donc j'ai dû optimiser ça euh, donc on voit euh, la vis à travers enfin bref c'est pas du tout euh, c'est pas du tout un bon un bon système mais en tout cas ça a permis de bien tester euh, bah le, le moulage du pneu. Et donc du coup, là, le retour, ah, il y avait de la graisse dessus, du coup ça, ça glisse. Mais le retour, c'est que ça fait vraiment comme du silicone. Alors, voilà, ça adhère vraiment sur le, sur le, le truc. Euh, par contre, c'est vraiment pas très dur par rapport à d'autres du... silicones que j'ai déjà utilisés. C'est très élastique, voilà. Et j'ai, je sais pas à quel point ça va casser ou ça va se déformer à la chaleur. Voilà, ça c'est mes, euh, mes, mes retours un petit peu à, à chaud comme ça euh, sur la technique. Après, euh, franchement, euh, voilà, ça m'a rien coûté quoi, zéro quoi. J'ai récupération de silicone qui allait pourrir dans le que je n'aurais pas pu utiliser de toute façon et qui allait pourrir dans mon garage euh, et, euh, et euh, du, du savon quoi. Donc, c'est vraiment, euh, c'est vraiment, euh, vraiment intéressant. Voilà pour les retours. Eh, écoutez, euh, je ne sais pas si vous avez d'autres questions vis-à-vis euh, -vis de ça, de, tant que je suis dessus. Euh, bon, il faut que je teste avec le salon, du coup, car avec la méthode de maïzena, ça s'effrite trop. Ouais, alors voilà, il y a une autre méthode avec de la maïzena. Honnêtement, je n'en avais pas. Euh, <laughs> donc, j'ai pas testé. Mais, euh, mais ça m'avait l'air un, euh, ouais, un peu plus route. Euh, là, euh, voilà, l'eau, euh, ça fonctionne très bien. Et je me demande si j'ai pas. Euh, attendez, j'ai peut-être les photos de mes essais yes euh... je vais vous sortir ça je peux faire des roues de couleur yes en fait ce qui est cool c'est que dans la méthode que j'ai vue, le ce que tu fais c'est que avant euh, de venir mettre le silicone dans la flotte euh, tu euh, prends un pot euh, en fait tu fous ton silicone dedans alors faut pas prendre du silicone blanc alors quoi que avec du silicone blanc, peut-être que ça marcherait, il essayer. Mais euh, eux, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils mettaient du silicone transparent, en fait, du silicone, euh, voilà, sans, sans rien. Et euh, dedans, ils mettent euh, du euh, euh, de l'encre euh, de mémoire. Tu, euh, tu mélanges... Alors moi j'ai ah, oui, colorant alimentaire. J'ai pas vu euh, colorant alimentaire ou gouache. J'ai vu euh, un colorant encre avec une petite pipette. Donc tu viens euh, venir pipeter ton, ton encre et tu viens mettre ça dedans. Après, j'imagine qu'avec un colorant alimentaire, ça va marcher aussi. Et euh, puis, tu mélanges, en fait, cette pâte. Et après, c'est cette pâte-là que tu viens foutre dans l'eau la, dans la, dans et que tu viens mélanger. Et franchement, le retour que j'ai eu sur la vidéo, ils avaient fait ça en bleu. Et euh, c'était euh, nickel, quoi. Bien mélangé, en fait, t'as vraiment un très très beau bleu euh, et un truc euh, très très uniforme. Du coup, euh, du coup c'est intéressant. Après, tu vois, je pensais à toi parce que on parlait des duretés. Je ne saurais pas. Euh, faudrait que je teste, en fait, un petit peu la dureté short de ce truc-là. Mais euh, ça, ça me semble un peu mou. Voilà, je, je le dis. Euh, pour un robot qui est léger, euh, comme cela, par exemple, euh, ou même jusqu'à 1 kilo, je pense que ça marcherait. Pour Un robot qui est un peu plus lourd, euh, il faudrait voir un petit peu la structure de, du pneu et, euh, et peut-être améliorer ça. Mais du coup, avec cette technique là, comme ça coûte pas très cher, en fait, euh, ça me tente bien euh, de, de tenter euh, des, des roues, même pour, la, pour des robots de 10 kg, quoi, euh, parce que euh, du coup, ça, ça le, le matériau se trouve Partout, et, et du coup c'est facile à, à produire. A à vim nez, tu es entre 25 et 40 jours. Je ne sais pas comment tu arrives à estimer ça à nez, mais en tout cas. Euh, ouais, ça, écoute 40 jours, tu penses oh. Pour intégrer le pneu à la jante, j'ai une vidéo en tête il y a quelques années de moulage silicone pour des roules. On pourrait faire ça aussi. On pourrait faire ça. Après, ma, mon tec ma technique, c'est que... On va en parler après, mais j'ai plusieurs idées, je sais pas encore sur quoi on va partir. Après, il faudrait peut-être tester avec différentes concentrations de savon pour voir si ça change quelque chose dans la dureté. Euh, je... Franchement, je pense que c'est vraiment le silicone euh, qui, va, qui, va, qui va plutôt euh, tout faire. En fait, ça me fait vachement penser à un joint, euh, quand tu fais des gros joints euh, sur, euh, sur des, euh, des, des, des salles de bain ou des cuisines, euh, j'ai pas l'impression que ce soit différent en fait. Mais à, à, à tester, effectivement. Comparé avec du filament flexible, ça vaut vraiment le coup du coup. Ah oui, ouais, je pense. Clairement, je pense. Ouais ouais. Bah déjà en termes de facilité de production je pense que oui. En termes de, euh, euh, de comment dire euh, de restitution euh, de la des, euh, des... Comment dire Des... des détails, en fait. Parce que la vidéo que j'ai fait, c'était pour euh, voir euh, comment tu pouvais... Euh, mouler des, des vraies vrais choses en fait avec ça pour après faire un tirage en résine par exemple et le retour c'était que vraiment euh, ça prenait bien la forme et du coup en pressant fort on voit alors c'est difficile mais pour vous mais on voit vraiment les détails de l'impression 3D en fait on voit là où j'ai pensé et là où j'ai pas pensé là c'est la face que j'ai si je prends comme ça voilà là la face qui a le mieux fonctionné qui est ici qui a quasiment zéro défaut c'est celle que j'ai le plus comprimé qui était ici voilà et, euh, et on voit quasiment pas de strips sur l'intérieur parce que du coup je l'ai poncé et donc du coup avec des bons détails en fait tu peux avoir des pneus qui sont beaucoup plus sympas et surtout tu peux en faire beaucoup tu vois tu peux vraiment en faire beaucoup euh, ça, ça peut ça pourrait ça pourrait super bien marcher quoi et le filament flexible franchement pour savoir ce que c'est et l'horreur que ça peut être des fois à imprimer la galère que c'est là tu imprimes euh, tes moules euh, tu peux directement euh, voilà faire ton mélange et t'en tire plusieurs et franchement ça, ça le fait ça le fait grave quoi ça le fait grave pas besoin d'avoir une imprimante 3 D en plus je veux dire pour faire ça ou euh, ça peut se faire aussi avec euh, un moulage en bois ou en plastique ou euh, même en, dans du fraisage quoi effectivement tu le rentres pas ta monleé après je sais pas s'il y a des teinteurs euh, j'avais déjà vu ça avec des, des mecs qui venaient mettre de la pâte à modeler dans certains mélanges mais je crois qu'ils la faisaient fondre mais je n'ai pas jamais compris vraiment quel était l'intérêt. Effectivement, tu te fais une série de moules et go. Ouais, grave, grave. Franchement, franchement ça peut être intéressant. Euh, du coup, je remonte un petit peu. Euh, Elf, nous, on est sur du 55-70 à euh, la coupe. Bah, écoute, je, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais les ramener à la coupe. Et puis, euh, et puis on, on testera. Euh, on comparera un petit peu. Ça ne va pas être évident à la main. À moins... <laughs> à moins une telle matos à l'électrolab pour le faire. Au pire, ça peut être intéressant, mais voilà. Euh, la CDT. Oui, non, j'ai compris la CDR il n'y a pas de souci. Voilà, puis notre balle, bah voilà, c'est ça. Et alors, vraiment, euh, un conseil, c'est laissez-le sécher quand même quelques heures. Euh, c'est vraiment, vraiment important. Attention, on va passer 1h30 sur les roues. bah C'est un peu le sujet du live, hein, un petit peu. <laughs> Euh, du coup tu peux faire des élastiques pour visière. Euh... Hey Allez, live élastique pour visière. <laughs> euh, c'est pas con ça. C'est pas con du tout. C'est pas con du tout. Écoute. Mais du coup c'est vrai que tu, tu peux imaginer beaucoup de choses avec ce truc. Non non je, assez. je suis vraiment vraiment très très content du résultat. Ça a l'air dégueulasse comme ça. Mais, euh, mais en vrai, c'est comme tous les, les premiers moulages en fait que j'ai fait au début. Alors, on maîtrise pas trop la technique et puis après franchement ça, ça marche. ça marche très bien. Oh pardon. <laughs> Attention, pas sûr que ça soit sanitairement euh, compatible c'est du silicone après hein. mais le problème c'est que tu mélanges avec d'autres trucs enfin je, je suis très très euh, dubitatif sur, sur ces sur, sur toutes ces techniques là pour être compatible avec effectivement euh, du euh, du sanitaire mais bon euh, à voir quoi à voir on a parlé l'autre jour c'est pour ça que je ne comprenais pas ah OK <laughs> Bon et eh ben écoutez maintenant que c'est fait et euh, eh ben écoutez on va euh, passer à la conception de la roue pour parler de la conception de la roue il fallait quand même que je vous montre quelque chose parce qu'on est passé directement sur le pneu c'est vous montrer ce que je veux faire là avec l'exemple du robot qui est ici. Voilà. Vous voyez ici, euh, j'ai ma roue qui est comprise entre mon moteur et une plaque qui est ici. Voilà. Celle-là, je l'ai enlevée de l'autre côté pour que vous compreniez bien comment ça fonctionne. Et euh, l'intérêt, en fait, du truc, c'est que... Voilà. Ah oui, je voulais vous montrer les, les photos c'est que il y avait un roulement à l'intérieur, un roulement à palier en fait. Parce que euh, comme vous pouvez le constater ici, les moteurs ont un axe qui est très très petit. Voilà. Donc si je monte une roue là-dessus, bah, la roue elle va venir se mettre de côté. Et du coup, elle risque de tomber et de, et de, ou de frotter sur le côté. Bref, ça va pas du tout. Donc moi, un conseil que j'ai euh, à vous donner, c'est quand on fait euh, des roues comme ça avec l'axe n'est pas forcément euh, dingue, on n'a pas forcément beaucoup de place, le mieux c'est euh, de venir intégrer un roulement quelque part de ce côté là ou de ce côté là moi je l'avais mis dans la roue et voilà et du coup l'avantage c'est que déjà là il y a quelque chose de propre en termes de guidage et quelque chose qui bouge pas euh, en termes de voilà de, de, de guidage avec la roue du coup quand on accouple avec le moteur ben, on est sûr qu'en fait en termes de reprise d'effort, c'est pas que le moteur qui prend euh, c'est euh, c'est surtout le, le roulement donc Là, on est quand même sur un truc qui est relativement gros. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est la même chose, voilà, typiquement. Mais avec du petit roulement, voilà. Et du coup, c'est pour ça que j'ai intégré des trous ici. C'est pour pouvoir mettre une vis à plastique. Alors, pourquoi une vis à plastique C'est pas top parce qu'en fait, euh, la vis à plastique, il euh, bah, y a des filets dessus, et donc du coup, c'est pas euh, le mieux pour faire un guidage. Euh alors sur un arbre de pour faire un arbre pour un roulement, mais disons que ce sera suffisant dans notre cas. C'est que je ne veux pas euh, avoir trop de euh, ce que je fais, ce que je visse. Ouais. Je veux pas avoir trop de poids et surtout je veux pas avoir à intégrer un insert ou un ou une un, un écrou en fait à l'intérieur. Et donc du coup voilà avoir ça sur le côté. Voilà palier bronze à la place des roulements c'est pas mal aussi, j'ai cru comprendre. C'est pas mal aussi, par contre, des paliers bronze de cette taille-là, j'en ai pas. Mais effectivement, je suis assez d'accord. Le problème des paliers bronze, c'est que de mémoire, ça s'use ça euh, plus vite que, euh, le, que les roulements. Euh, ça se maintient moins bien, de ce que j'ai compris. Plutôt de la pièce d'usure euh, plus rapide que les roulements. Mais ça existe, effectivement. Ça existe, mais euh, là, j'ai moins de retours là-dessus. Je, je, je suis assez euh, honnête là-dessus. C'est que j'ai beaucoup moins de retours euh, sur les paliers. Il y a certaines machines que j'ai vues qui utilisaient des paliers. J'étais surpris euh, de la, la qualité euh, de, de, de roulage euh, de ces, euh, de ces, de ces techniques-là. Mais, euh, mais sinon, à part ça. Euh, alors, est-ce que j'ai des photos... Ah, bah, super ça. Nickel, j'ai des photos un peu plus grandes. Un vieux dire tu y perds pas grand chose. Ah oui, oui c'est clair, oui, c'est clair. Ah, attendez, parce que tu fais un système de masque qui envoie de l'eau dès qu'il reçoit l'humidité. Ah non, j'ai pas vu ça. Ça donne ça avec la farine plus. Euh, ah oui, euh, attendez, je ne pas sur l'environnement. Donc, ça, c'est ta technique avec la farine, c'est ça Ça n'a pas l'air mal, hein. moi j'avais déjà vu ce que tu avais fait à l'époque et c'était pas, euh... pas dégueu non plus, hein, franchement. Parce que du coup j'ai des photos euh, un peu plus euh, un peu plus euh, comment dire euh, un peu mieux faites et euh, vous verrez mieux avec les photos. Donc ça c'est le moule. Voilà. Je vais très vite. Vous l'avez déjà vu. Voilà mon système de, de roulement. Voilà donc une fois que c'est moulé, donc j'ai le reste du silicone qui est là. En fait ça, ça me permet aussi de séparer les moules. Je mets un, un tournevis plat dedans et clac ça va bien séparer proprement. Euh, et au démoulage, voilà ce que ça donne. J'ai les petits machins qui sont sur les côtés, donc ça, ça, ça part. Et voilà le de manière plus euh, plus agrandie, on va dire. Donc là, c'est le, le dessus du moule. Ici, à cet endroit-là. Euh, tu as aussi des rondelles de glissement. Oui, c'est vrai. John, t'as pas trop lutté pour démouler. Non, pas du tout. Pas du tout. C'était assez simple, en fait. Euh, même. Surtout, enfin, euh, c'était vraiment... Euh, juste dévisser, tirer, et vraiment euh, rien, de, rien de plus de, de plus compliqué. Ça n'a pas adhéré au moule, en fait. C'est ça qui était euh, assez surprenant pour le coup. Euh... Oula, non, attends, tu parles pas de la même chose. par d'un autre truc. Fabrique des roues pour la Coupe de France de robotique. Ah oui. Bon bah écoutez, je vais regarder ça après. Oh, c'est intéressant. Ah oui, mais il a fait ça avec un. Ah oui, bah ça c'est la technique euh, classique, on va dire. Voilà, ça c'est moi ce que j'avais déjà fait. Ok. Oui, ça, ça me. Ça, ça, ça c'est un truc que j'avais déjà fait, effectivement. Ah bah ça sera intéressant de regarder. Je crois que j'étais déjà tombé sur cette vidéo là où je l'avais vue quelque part. Bref. Euh, alors je sais pas si j'ai des vues plus. Voilà. Ça c'est du côté où, ça... où j'avais pas pensé. Ça, c'est le côté où j'avais vite fait penser. Donc le rendu est vraiment, vraiment intéressant. Quoi. Euh, si tu m'appelles assez de farine, ça colle à mort, pas simple. Bah oui, alors du coup, en fait, c'est ça qui est intéressant avec la technique avec l'eau savonneuse, c'est que tu tu vraiment tu, tu mélanges à mort quoi. Et, euh, et tu satures à mort et ça fonctionne très très bien. Mais tu as moulé tes roues sur le moyeu directement ou la gomme à part et ensuite les monter sur un moyeu. Euh, moi je vais mouler. Euh, je voudrais mouler la gomme à part et ensuite les monter sur le moyeu. Pour ce, pour ce robot-là, euh, c'est ce que j'aimerais bien faire. Moi, j'ai grave galéré pour démouler, pas mis assez de farine, ça collait trop. Alors, une technique, euh, par exemple, pour ce qu'il fait là, euh, quand on fait du moulage comme ça, il euh, y, euh, y a des produits en spray, en fait, euh, qu'on vient mettre sur le moule, et qui sont des aides pour démouler, en fait. Euh, et c'est vrai que sans ça, euh, ça peut être un peu compliqué. Vous pouvez mettre aussi euh, un truc qui fonctionne bien, c'est de la vaseline. Le problème de la vaseline c'est que euh, ça va faire une genre de pâte et des fois ça se mélange mal et ça peut faire des dépôts en fait sur le sur le euh, sur le silicone euh, les sprays démoulants fonctionnent très bien pour ça après euh, honnêtement euh, là sur la technique que j'ai eu c'est que comme c'est saturé euh, en, en eau savonneuse et eh ben en fait ça colle pas au moule en fait c'est ça qui est chouette c'est que vraiment enfin je, je suis vraiment très très surpris par la facilité de moulage de cette technique quoi c'est euh, ça n'a ça pas du tout collé en fait comme c'était encore humide il pas de souci. Le problème des silicones comme ça, c'est vrai que ça a tendance quand même à adhérer aux objets. Et on met plein de produits en fait différents selon les techniques pour réussir à le démouler parfaitement. Euh, mais du coup, c'est compliqué ce genre de méthode. Non, c'est pas très compliqué. Franchement, c'est vraiment à la portée du, du premier venu. Euh, font un peu de matos, mais euh, voilà, il faut faire ça consciencieusement. Si vous voulez tester vraiment avec des produits de qualité, moi je vous conseille Smooth Sun. Euh, qui fait des produits qui sont un peu chers, mais qui font euh, des super produits, j'en avais déjà parlé euh, lors d autre truc pour mon la... live sur la Fab Academy, parce que c'est les produits que j'avais utilisés, ils ont plein de produits différents, après Smoosun ou un autre, hein, euh, voilà, euh, vous vous regarderez, euh, ils ont plein de silicones différents, plein de résines, etc., et surtout l'avantage des silicones de chez Smoosun, c'est du 1 pour 1, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mélange compliqué à faire, c'est que vous mettez... Euh, en fait, quand vous vous mélangez, vous avez deux produits, le produit A et le produit B. Euh, et pour l'activer, pour activer le produit, vous, euh, le silicone, vous mélangez les deux. Et l'avantage de leur silicone, c'est que quand tu mélanges les deux, donc déjà, je redis, c'est du 1 pour 1, donc pas besoin de mesurer, de peser, c'est très compliqué généralement à faire ces genre de choses-là, et donc du coup il euh, y, y a possibilité de fail qui est assez important, la dure 1 pour 1, tu, tu te plantes pas trop, euh, et en plus leurs produits se, se débulent euh, très facilement, c'est-à-dire que même sans avoir du matos pour enlever les bulles, euh, donc par exemple euh, un truc un pot vibrant ou alors euh, un, une chambre avec, euh, pour faire le vide, euh, et ben en fait tu arrives à avoir des résultats sans bulles ou quasiment sans bulle si tu le fais un peu mal mais si tu le fais bien sans bulle qui fonctionne très très bien euh, et le, le retour il est il est vraiment parfait quoi euh, si un jour tu n'as pas de colle la farine de Lolo ça suffit du coup la farine ça collerait pas le moule aux pneus euh... ah je sais pas c'est pas comme les gâteaux un peu de beurre et roule ma poule Alors, en gros le, le beurre sur les gâteaux c'est ça hein. euh, c'est exactement ça neo Qu'est-ce que c'est que ça? Pas fan de la vaseline. Lien. Oui, lien. Euh, bon, voilà, bah, le lien. <laughs> euh, je vais même peut-être pouvoir vous dire. Moi, je pense que j'avais. Ah, ils ont changé leur site. Ah, je ne vais pas réussir à le retrouver. Je pense que c'était du Molmax. Après, regardez, c'est vraiment trop bien. Vous avez la dureté. Voilà, tu vois, Molmax 60. Voilà. Et puis, euh, puis voilà, c'est parti. Go. Alors, celui-là, il c'est pas, pas du 1.1 par contre. Euh, le pot de life, il est de 40 minutes et le cure time, il est de 24 heures. Bon. C'est un peu plus long que ce que j'avais déjà utilisé, mais en vrai, pff, tu moules, t'attends, c'est pas, pas très très grave. Quoi. Euh, mesure mixing, qu'est-ce qu'ils mettent Before you mix, je vais mettre le lien sur. Euh... C'est pour les fesses de bébé. Ah, néo -tuginal. ah oui, ok. Euh, ah peut-être, peut-être, faudra essayer, faudra essayer, effectivement, ça je ne sais pas. Euh... Ouais, alors celui-là, par contre, du coup, c'est pas du 1 un pour 1, un, il, il faut le doser. Il faut le doser. Mais bon, euh, voilà, euh, je veux dire, euh, regardez un petit peu ce qu'ils font, c'est vraiment vraiment pas mal. Et il y a des revendeurs en France, il hein, n'y a pas de, il a pas de souci, euh, a pas de souci avec ça. Ça, je vous fais confiance, vous allez pouvoir le, le trouver. Euh, et Il y a plein de trucs pour faire des, des moules, euh, voilà, trucs industriels, mais aussi des choses euh, plutôt pour les euh, pour moulage sur les sur des personnes en direct ou pour du moulage euh, de alimentaire. C'est vraiment vraiment trop bien. Euh, bah écoutez. Avant de démarrer euh, la conception en fait, euh, bah, des, euh, euh, des moules... Euh, des moules bah Oui, des moules. Et la conception des moules et des roues. Euh, je trouve les prix assez chers par contre chez eux. Ah oui, oui euh, c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire que, ok, euh, c'est euh, de la grosse qualité, mais tu, tu le payes. Effectivement, c'est un peu cher. Euh, c'est pour ça que moi, euh, ça m'intéresse de travailler sur des, des technos comme ça. Parce que, voilà, c'est le problème c'est que tu vas payer un pot comme ça, avec un pot comme ça, t'en fais, euh, fais 50 des pneus. Je veux dire, est-ce que tu as besoin de 50 Peut-être même plus d'ailleurs sur des, des pneus de cette taille là avec euh, tout le en plus tu vas perdre du, de, la, de la matière à côté, c'est pas très intéressant. Alors que là, euh, bah voilà, on retrouve on retombe sur quelque chose de très peu cher, euh, c'est peut-être plus intéressant pour les usages euh, que l'on peut faire en robot de combat. Après, sur les robots de la CDR, si vous moulez des pneus et que vous voulez une dureté très particulière. Euh, là, je pense qu'à mon avis, il faut, euh, il faut rester, euh, euh, il faut essayer de, 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 de prendre un peu de qualité quoi. Mais voilà. Après, j'ai jamais été déçu sur un produit smoothie. Ça c'est ça c'est clair. Ok. Alors. Du coup, euh, comme ce que j'ai dit euh, au tout début, et ben écoutez, euh, je vais, euh, je vais m'arrêter là pour la partie euh, euh, présentation, moulage, etc. et retour. Euh, donc restez avec moi, euh, voilà. Dans une petite minute, on revient euh, en live et puis du coup, là, on va commencer la conception bah, du pneu, euh, voilà, mais euh, également la jante pour pouvoir après, euh, bah, euh, l'intégrer voilà, sur le robot et puis peut-être l'imprimer. On verra bien si on a le temps de l'imprimer ce soir. <laughs> je ne suis pas sûr. Euh, euh, jingle. <laughs> bon, bah écoutez, à tout de suite euh, pour la suite du live.